Nous allons enchaîner avec la dernière thématique de cette matinée en plénière sur un panorama de la vie associative. Et ensuite, nous aurons l'intervention de notre grand témoin Yannick Blanc, qu'on remercie d'être présent ce matin. Je vais appeler Caroline Dumas, la directrice de la Crèce Centre-Val de Loire, qui va nous dire un petit mot. Et puis Jeanne Fulois de l'Observatoire régional de l'ESS. Merci Gaëlle. Donc là, on ne fera pas de commentaires sur le fait que nous sommes trois femmes. Voilà. Et de la même manière, enfin François, tu l'as fait. Ah oui, l'autre. Vous deux, tu l'as dit tout à l'heure, mais j'excuse notre président, donc Jean-Louis Desnoux, qui est, vous me passerez le mot, mais encore plus positif que d'habitude, et donc pas avec nous. Donc un propos introductif pour dire bien évidemment que les associations étant une composante majeure de l'économie sociale, solidaire et écologique, nous travaillons depuis toujours de façon renforcée avec le mouvement associatif. Mais cette articulation s'est vue accélérée ou en tout cas a nécessité un exercice de perfectionnement depuis 2020. Pour pouvoir être à la hauteur des enjeux et de la représentation qui était la nôtre, mais celle aussi des différentes fédérations et têtes de réseau, pour répondre au mieux aux enjeux des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et notamment des associations, et des enjeux qui étaient doubles, comme vous avez pu le souligner à travers vos différentes interventions. D'une part, des enjeux liés à des difficultés sociales, économiques rencontrées par ces organisations, mais aussi des enjeux de valorisation et de reconnaissance de toutes les belles histoires, mais au-delà des belles histoires, des mécanismes qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire et qui étaient activés dans ces moments-là et qui ont permis de mettre en place et de structurer des chaînes de solidarité, aussi bien sociales, médicales, mais aussi de localisation de la production et de la redistribution de ce qui était les indispensables pour le fonctionnement de notre société. Donc dans ce moment-là, on a pu, partager avec le mouvement associatif l'importance de pouvoir observer les mécanismes et les impacts négatifs, positifs, pour le dire rapidement, de cette crise au-delà d'une crise sanitaire, une crise sociétale. Donc bien naturellement, on a pu mettre à disposition du mouvement Asso notre compétence en ingénierie avec notre observatoire. J'en profite pour dire que bien sûr, l'observatoire est au service de l'ensemble des acteurs et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et qu'on fait au mieux, bien sûr, pour alimenter les plaidoyers, accompagner les prises de décision pour permettre la structuration et le développement de l'économie sociale et solidaire. Avant de passer la parole à Jeanne, je voulais juste souligner que ces travaux avaient une fois de plus montrer aussi l'importance de pouvoir adapter et développer la mesure, les indicateurs d'impact de l'économie sociale et solidaire, et notamment des associations, puisque aujourd'hui, quand on rentre dans des additions d'indicateurs de l'économie tout court, pas forcément l'économie sociale et solidaire, eh bien, la valorisation et la prise en compte de l'impact social, de l'utilité territoriale, de l'œuvre des bénévoles est largement minimisée, ce qui ne correspond donc pas à tout ce qu'on vient de partager, de prôner et de mettre en avant pour que notre société aille mieux. Et j'espère que ce sera un sujet important et donc une matière que vous apporterez aussi aujourd'hui dans le cadre des travaux qui accompagneront, je le souhaite, notre prochaine stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Voilà, je te passe la parole, Jeanne, et merci de m'avoir donné ce temps. Excuse-moi, du coup, je reprends le micro parce que j'avais prévu juste de faire un petit propos introductif avant que Jeanne démarre la présentation sur la démarche en fait de panorama de la vie associative. Donc vous aurez
à l'entrée, parce que vous n'avez pas pu l'avoir peut-être au début, le panorama qu'on va vous présenter là à deux voix avec donc Jeanne de l'Observatoire. Simplement vous indiquer que voilà, la volonté, c'était aussi de donner une photographie un peu de l'état de la vie associative, on va dire post-Covid, même si on n'en est pas complètement sorti, sur ce qui s'est passé et voilà, selon les différentes données et études que nous avons pu identifier. Alors, je ne vous cache pas que c'est quand même très compliqué hein, d'avoir des données assez objectives sur la vie associative dans sa transversalité. Vous n'aurez pas aujourd'hui, enfin ce matin, de focus sectoriel, mais bien un focus plutôt sur des sujets transversaux sur la vie associative. Donc les données, évidemment, ne sont pas exhaustives. Si vous ne retrouvez pas un certain nombre d'informations sur des dispositifs qui ont été mis en place localement, n'en soyez pas étonnés, parce que c'est très compliqué, encore une fois, d'avoir ces informations, notamment sur le bénévolat, où, évidemment, ce sont des données qu'on a du mal à objectiver. Donc voilà, je voulais faire ce petit propos introductif et vous indiquer que donc on a fait ce travail en partenariat avec l'Observatoire qui a beaucoup de données par contre économiques où là c'est plus simple quand même pour nous d'avoir ces informations-là. Mais Jeanne va pouvoir vous présenter ça dans une première partie puis j'enchaînerai sur la fin de la présentation. Je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Oui, donc comme vous l'a dit, la publication est disponible à l'entrée. Je vous invite à la lire et même à faire part de vos retours pendant les ateliers ou même autre part. Je vais commencer par un bref état des lieux de la vie associative et des associations avant la crise Covid en 2018. On est, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près sur une estimation de un peu plus de 50 000 associations. Dedans, on compte les employeuses comme les non-employeuses. On estime, comme on l'a dit, le bénévolat est un phénomène difficile à estimer, mais on estime 500 000 personnes qui sont bénévoles en Centre-Val de Loire, donc à peu près un demi-million. Et dont une quarantaine qui intervient régulièrement dans leur association. Pour ce qui est des associations qui sont employeuses, elles sont un peu à la croisée des chemins, parce qu'au sein des associations en elles-mêmes, elles correspondent à peu près à 10% des associations, donc 10% des associations ont au moins un salarié. Et au sein, sur l'autre on va dire, flanc de l'économie, elles représentent à peu près 10% des entreprises de la région. Donc elles sont vraiment sur la croisée des chemins. Donc on est à peu près sur 6000 associations qui sont considérées comme des entreprises par l'INSEE. Et on est surtout sur un profil d'association avec moins de 10 salariés. Et ici aussi, la parité n'est pas respectée parce que le salariat est en majorité féminin. Pour ce qui est de la crise Covid, ça c'est un phénomène qui a été très difficile à estimer, à mesurer. Toutefois, on a pu voir un impact à peu près en 2020 et 2021. Pour ce qui est des associations employeuses comme non-employeuses, c'est très difficile, comme on l'a dit, d'avoir des chiffres, notamment sur les associations qui ont fermé, parce que les associations n'ont pas d'obligation à se signaler à la mairie ou à l'État si elles sont dissoutes, hormis si justement elles ont des salariés. Et là, ce qu'on a pu constater, par contre, en prenant le chiffre des créations d'associations, ce qui nous donne une idée un peu du dynamisme associatif en région, c'est qu'on a enregistré la plus forte baisse de création d'associations entre 2019 et 2020. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de projets associatifs n'ont pas abouti ou alors ont été reportés en 2020-2021. Pour ce qui est de l'emploi, donc là, comme on l'a dit, on a un peu plus de données. Notamment, on a pu voir un arrêt de l'activité salariale, donc l'arrêt vraiment des salariés pendant le premier et deuxième confinement, mais paradoxalement pas pendant le troisième confinement, ce qui est assez positif dans le sens que les associations, notamment les salariés, ont pu s'adapter et travailler en fonction des confinements, des couvre-feux. On a quand même noté en 2020 à peu près un peu moins de 40 000 recours en chômage partiel pour la seule année 2020, ce qui est assez énorme. Et bien entendu, les secteurs qui ont été les plus touchés sont en fait les secteurs qui sont en contact avec les publics, qui n'ont pas pu en fait mettre en place des actions parce qu'elles n'ont pas pu travailler ou faire leurs actions habituelles avec soit leurs adhérents, soit leurs usagers. Donc on retrouve dans le milieu du sport, forcément, pas de salles, pas de cours qui sont donnés, la culture, l'aide à domicile et l'éducation et la formation dans les secteurs qui sont les beaucoup plus touchés par ces arrêts d'activité. Passer à la suite. Donc ça, c'est vraiment des données un peu froides vues d'extérieur des associations. Mais en fait, en 2020 et 2021, le mouvement associatif a mis en place deux enquêtes pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur des associations. Il n'est sorti quatre préoccupations qui sont assez importantes pour les dirigeants associatifs et les salariés associatifs. Les questions du maintien des adhésions, le lien avec les bénévoles, l'accès aux locaux et matériels et la santé financière. Ces quatre préoccupations
sont en elles-mêmes assez interconnectées. Avec quand même des petites différences entre 2020 et 2021, le contexte était très différent. En 2021, des préoccupations qui sont renforcées, c'était la question des réouvertures des structures d'accueil ou des locaux pour pouvoir remettre en place leur action. La question des relations avec leurs bénévoles et leurs adhérents qui s'étaient très vite délitées. La perte significative aussi de revenus et de cotisations. La cotisation d'un côté, c'est le fait qu'on a eu beaucoup moins d'adhérents pour certaines associations. Et les revenus, c'est aussi au fait que une majorité d'associations n'ont pas pu mettre en place leur action à 100% et ces actions-là étaient en fait source de revenus pour ces structures. C'est d'ailleurs une des préoccupations qui sont maintenues en 2021, donc la question des partenariats financiers et le fait que beaucoup d'associations encore en 2021 n'ont pas pu faire leur action à 80%. Enfin, dans les préoccupations qui sont aménuisées, c'est l'application des mesures barrières qui était une vraie problématique en 2020. On ne savait pas encore très bien maîtriser justement le virus et les mesures barrières, ce qui n'est plus trop le cas en 2021. Donc là, on voit vraiment en l'espace d'un an qu'on a pu s'adapter facilement à ce virus. Pour la suite, je fais un petit focus sur le bénévolat. Il faut savoir qu'en 2021, il y avait quand même un peu plus de 60% des associations qui s'inquiétaient vraiment de leur relation avec leurs bénévoles. La plus grande préoccupation, c'était surtout la perte de contact après les différents confinements et après 2020 des bénévoles. L'autre préoccupation, c'est toujours l'accessibilité des disponibilités des locaux. Parce que qui dit on n'a pas accès aux locaux ou pas accès à 100% à cause d'énormes barrières, on ne peut pas accueillir les publics et on ne peut pas accueillir les bénévoles, dont maintenir le lien. La question de la crainte du virus, beaucoup de bénévoles ne se sont pas, revenus de peur de retransmettre le virus ou de l'avoir. Et aussi les questions de couvre-feu. Le couvre-feu était un vrai problème pour 2021, avec notamment les changements d'heure et aussi le fait qu'on peut difficilement mettre des actions si un couvre-feu bloque une partie de la journée. Dans les préoccupations qui sont aménuisées, l'autorisation dérogatoire qu'on a arrêtée en 2020, l'arrêt de l'activité de certaines structures partenaires en 2020 qui en fait est reparti en 2021, ce qui a pu rassurer les associations. Et enfin, les difficultés techniques et des isolations liées aux relations à longue distance. Donc là, on va repartir sur le numérique, je reviendrai un petit peu après. Là, je vais un peu plus parler des équipes salariées. On a remarqué un petit changement, mais très léger vraiment, sur comment les salariés se sont adaptés aux nouvelles normes. Si en 2020, on était vraiment plus sur chômage partiel et beaucoup de télétravail et très peu de retour en présentiel, 2021, on a été assez surpris de voir que le chômage partiel s'est beaucoup maintenu encore. Et enfin, que le télétravail est resté. Et aussi, par contre, on a eu un retour massif des salariés dans leurs locaux, donc un retour massif au présentiel. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les équipes travaillent avec en fait, ces trois solutions à la fois, donc le chômage partiel, le télétravail et le présentiel. Pour les usages numériques, beaucoup d'associations se sont mis en fait, aux outils collaboratifs et de formation en ligne pour pouvoir maintenir le lien à distance et continuer le travail à distance. C'était même des associations qui n'utilisaient pas du tout des outils de type Zoom, des outils de visio ou des partages de données. On a quand même pu noter, grâce à cette enquête, quatre freins assez importants pour ces associations qu'elles ont rencontrés. Dans un premier temps, un problème technique, savoir en fait quel logiciel ou quel matériel utiliser, qui est souvent lié avec un problème financier. Il faut être sûr que tous ces bénévoles et salariés soient équipés en matériel, il faut savoir payer les licences. On a aussi un problème humain, c'est que beaucoup de bénévoles ou salariés ont dû se mettre à des outils qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ont dû apprendre sur le tas par eux-mêmes, par leurs propres moyens, voire même tester plusieurs outils avant de savoir lequel utiliser. On a notamment un gros cas d'électronisme qui a dû jouer énormément en défaveur des bénévoles et des salariés à cette époque-là, et encore sûrement aujourd'hui. Et enfin, un problème stratégique, donc ça peut-être que vous l'avez constaté vous-même, mais on a vite fait face à une grande diversité d'outils de visio, de communication, d'échange, de partage de données. Et ça a été très difficile pour certaines associations de savoir quoi choisir, de quel outil, en fonction de leurs moyens et aussi en fonction de questions d'éthique. Sur la question financière, donc, sans surprise, la majorité, quasi majorité des associations ont ressenti un impact financier fort pendant cette période-là. Principalement, les deux causes liées, c'est la baisse de revenus liée au fait qu'il y ait une baisse des actions, on y revient encore, et enfin la baisse des cotisations, surtout pour des structures qui sont très dépendantes des cotisations de leurs adhérentes. Ce qui fait qu'au niveau de la trésorerie, on a constaté que si un tiers à peu près des associations avaient une trésorerie de plus de 6 mois,
Ce n'est pas forcément le cas de toutes. Et même, on a constaté à peu près un quart des associations ne savaient pas en 2020 estimer correctement leur trésorerie, ce qui était assez préoccupant. Ces tendances-là se sont un peu aménuisées en 2021, mais globalement, on est un peu sur ce constat ni figue ni raisin. Et sur ce, je vais te laisser la parole pour parler des dispositifs. Merci. Oui, donc on a fait un petit focus dans le diaporama, dans le panorama. Donc si vous ne voyez pas bien, hein, c'est vrai qu'effectivement, pour certaines diapos, voilà, c'est peut-être mieux au milieu. Voilà, encore une fois, vous aurez toutes les informations sur le document papier. Donc un petit focus sur les dispositifs de soutien, donc encore une fois pas exhaustif, mais là on a voulu vous mettre des éléments de compréhension préalable pour voir comment avaient été mobilisées certaines aides par les associations. Donc on peut constater que la plupart sont quand même des dispositifs qui étaient déjà connus, bien identifiés par les associations, par exemple le FDVA notamment, ou des aides sectorielles mises en place par l'État, ou des solutions qui sont proposées aussi par les collectivités locales. Les outils nationaux, notamment, étaient facilement identifiés, notamment par une communication nationale qui a été aidante, même s'il a fallu adapter certains dispositifs qui n'étaient pas au départ pensés pour les associations et pour lesquels les associations rencontraient certaines difficultés. Je prends l'exemple du fonds de solidarité qui... voilà, était nécessaire de se connecter avec son compte fiscal personnel, ce qui n'était pas forcément très aisé pour les associations. Donc, quelques dispositifs spécifiques qui ont été mis en place par rapport à la situation de crise. Donc, le pacte de relance qui a été porté par France Active et financé par le Conseil régional, donc, qui a permis de soutenir un peu plus d'une cinquantaine d'associations. Le dispositif Job Solidaire, qui était une aide à l'emploi pour... embaucher des étudiants a permis à 20 associations d'être soutenues. L'appel à projets initiatives solidaires, une cinquantaine d'associations. Et un dispositif mis en place par l'État, Secours ESS puis Urgence ESS, qui était une aide ponctuelle et une subvention, qui était portée techniquement par France Active. Et le dispositif DLA, dans sa première partie, a permis de soutenir 223 associations sur la région Centre-Val de Loire. Les dispositifs de soutien préexistants, là aussi pas exhaustifs, mais donc principalement le FDVA qui a pu bénéficier d'une enveloppe complémentaire conséquente, 1 million d'euros en 2021. Les contrats d'accompagnement dans l'emploi, où là on a un peu plus de difficultés à avoir des données chiffrées très précises, mais on sait que les associations représentent environ 40% de ces contrats aidés-là, ce qui n'est pas si intuitif que ça. On pourrait penser que c'était beaucoup plus, mais finalement ne représente que 40%. Le dispositif FONJEP avec des 112 postes supplémentaires en 2021 et le dispositif CAPASSO dont on a déjà bien parlé, je pense que vous connaissez bien, qui a maintenu les financements, y compris pendant la crise et pour les associations qui avaient maintenu leur activité. Alors, je ne vois pas bien du coup, je sais que je ne suis pas très bien installée. Les difficultés rencontrées par les associations par rapport à leur démarche. Donc oui, 55% des associations ont déclaré qu'elles avaient rencontré au moins une difficulté. Mais 35% des associations estiment qu'elles n'ont pas eu besoin d'aide. 26% ont sollicité une aide, ce qui a permis d'accompagner ces associations dans leurs difficultés au moment de la crise. Donc c'est quand même des données à prendre avec précaution parce que là, les associations qui ont été interrogées sont essentiellement des associations qui sont quand même plutôt des profils d'associations employeuses ou des associations déjà bien structurées, pas forcément des associations isolées. Donc encore une fois, ce sont des tendances qu'on vous donne ce matin. Pas forcément, il peut y avoir quelques nuances évidemment en fonction du type d'association. Bien qu'on passe à la diapo suivante. Donc, en synthèse, voilà, pour donner une idée des moyens dédiés spécifiques aux associations et à l'ESS. Donc, encore une fois, on n'a pas tout calculé. Il y a des collectivités locales qui ont aussi mis en place des dispositifs spécifiques. Je sais qu'il y a des collectivités dans la salle aujourd'hui, donc ne soyez pas étonnés si vous ne retrouvez pas dans ce diaporama. Et 1,7 million d'euros pour les associations, donc 2 millions pour apport et prêt remboursable et 1,7 million pour les subventions.
Donc ce sont des aides qui sont principalement dédiées aux associations employeuses, qui ne retrouvent pas toujours un écho sur le terrain parce qu'elles ne sont pas nécessairement lisibles, visibles, et d'où l'importance d'avoir des acteurs de l'appui et de l'accompagnement. Et puis, ce qu'on a pu identifier, c'est que les dispositifs qui sont existants sont quand même plus facilement mobilisables par les associations, du fait qu'elles sont déjà connues, et qui sont aussi mieux repérées par les acteurs de l'appui. Je vais accélérer un petit peu, parce que je vois qu'on prend un peu de retard. Les dispositifs de soutien aux associations, là aussi pas exhaustifs. Nous avons identifié que 60% des associations ont eu besoin d'un soutien et sont passées par des structures d'appui qu'elles connaissaient déjà précédemment. Reste quand même 15% d'associations qui n'ont pas trouvé d'interlocuteur alors qu'elles auraient eu besoin d'être soutenues. Et donc, pour donner une idée de l'impact du Covid aussi sur les structures de l'appui, donc sur le dispositif Capasso, que les conseillers associatifs Capasso portés par les réseaux du mouvement associatif ont continué d'accompagner fortement ces associations-là, y compris à distance. Le dispositif DLA qui a poursuivi également son accompagnement avec quelques décalages et qui a dû aussi adapter ses modalités d'action en mettant en place des ateliers collectifs ou des appuis spécifiques. Et puis, pour le programme de formation des dirigeants bénévoles, on a vu évidemment l'arrêt des formations en présentiel avec une adaptation pour mettre en place des formations à distance. Et puis des formations aux outils numériques, etc., que tu as cité, Jeanne, juste avant. Bien qu'on passe à la diapo en suivante. Voilà, donc je ne vais pas forcément me répéter trop longuement, mais voilà, de nombreux changements pendant la crise qui ont nécessité que les associations s'adaptent, notamment avec les protocoles sanitaires qui obligeaient aussi à avoir du matériel de protection. Enfin voilà, toute une série de choses qui a nécessité une adaptation, comme pour d'autres secteurs, mais voilà, pour le secteur associatif aussi. De nombreuses aides très variées, très diversifiées, qui nécessitaient là aussi d'orienter les associations vers les bons interlocuteurs. Un accompagnement moral et technique fort, j'insiste là-dessus, parce que c'est aussi des choses que nous ont remonté les réseaux adhérents du mouvement associatif. Il y a eu un peu une baisse de morale, hein, des bénévoles surchargés, très, très pris. Évidemment, ça dépendait des secteurs d'activité, mais pour certains, ils avaient trop d'activités ou pour d'autres, beaucoup moins. Donc, on voit que l'impact sur le bénévolat est quand même assez fort. Le maintien ou l'adaptation des activités des acteurs de l'appui et de l'accompagnement qui ont dû, voilà, comme je le disais tout à l'heure, adapter leurs modalités d'action, y compris les collectivités territoriales, les réseaux associatifs et les services de l'État. Je veux bien qu'on passe à la conclusion. Voilà, donc c'est vraiment très rapide, l'impact très important sur le bénévolat. Hein, c'est la plus grosse inquiétude, je pense, qui reste encore aujourd'hui. Un impact fort sur l'activité associative, donc celles qui se sont arrêtées, celles qui ont été maintenues. Un impact important sur l'organisation des associations. Jeanne en a parlé tout à l'heure, avec la réorganisation du travail, le télétravail, la mobilisation de nouveaux outils qui n'étaient pas forcément connus des associations, des outils visio, enfin, il a fallu s'adapter. Des dispositifs d'aide assez variés, multiples, qui démontrent quand même la volonté des acteurs publics de soutenir la vie associative, mais qui étaient voilà, très divers et variés. Donc, voilà, monter des dossiers, etc., tout ça, ça demandait beaucoup d'énergie. Des formats et des modes d'accès de certains dispositifs qui n'étaient pas adaptés. J'en ai donné un exemple tout à l'heure, mais il y en a un certain nombre qu'on peut encore retrouver. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Et l'importance du rôle des acteurs de l'appui dans cette période de crise qui a été un peu essentielle pour voilà, soutenir les associations dans cette période compliquée. Nous en avons terminé. Merci. Et encore une fois, on vous donne la référence que vous pourrez récupérer tout à l'heure. Merci beaucoup.